Ah ouais, de moi que je joue au piano, quoi. Ah, pardon, bonsoir, il n'y a plus de lumière, je suis désolé, mais je viens de faire la vidéo que vous allez voir là maintenant, mais en fait, tout du long de la vidéo, j'ai eu un problème de micro. Voilà, ça fait bzz, 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 tout du long pendant 10 minutes. Donc du coup, vous allez avoir une vidéo avec le son de la caméra, qui est un son magnifiquement pourrave. Voilà. Donc je m'excuse par avance, je vais essayer de régler ce problème, faire quelque chose, acheter un micro, n'importe quoi, mais donc bonne vidéo quand même, mais le son va être pourri. Voilà. Allez, salut. Oh, prise 2, t'as compris? Prise 2, donc là tu coupes et on recommence. T'as compris? Bien. Je me parle à moi-même, c'est triste. Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de son. Tout simplement, le fait d'avoir un bon casque qui procure un bon son, c'est pas obligé que ça coûte cher. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris, donc arrêtez de m'emmerder. En fait, avoir un bon casque, ça coûte vraiment pas cher, ça dépend où on l'achète. Alors moi, il y a un site que je vous recommande, mais number one, même number 0,5, quoi, c'est avant le premier, c'est un nouveau concept hein, que j'ai inventé, thomann.de, qui ne connaît pas ce site? Levez la main, tous, 1, 2, 3, 4, d'accord. Très bien, ok, alors je vais vous expliquer. Le site, arrête de rigoler, le site Thomann, qui ne connaît pas ça, c'est une grosse boutique qui vend des instruments de musique, des casques, des micros, des guitares, des, enfin tout ce que vous voulez, dans le domaine du son et de la musique. Il y a même des synthés, plein de choses. J'ai commandé le AKG K92. C'est ceci, vous le voyez en image à la place de ma face en fait. C'est un casque de studio. Clairement, un casque de studio, et ça m'a coûté 49 euros pendant les soldes. C'est un excellent casque, vraiment très très bon, noté 5 étoiles sur certains sites, sur 5, donc c'est pas mal. Alors, bien sûr, il y a beaucoup moins cher. J'explique. Un casque super luxe, dont je me rappelle absolument plus la référence, mais le voici, il coûte 19 euros. C'est un casque de studio et ça vaut 19 putain de fucking euros. Donc arrêtez de... Par pitié, arrêtez de dire que, ah oui, pour avoir un bon casque, ça coûte super cher. Ça dépend, qu'est-ce que vous prenez comme casque et où vous l'achetez. Ce que je vous conseille, donc, c'est les casques de studio, clairement. Donc, des casques qui sont réservés aux professionnels, normalement, bien entendu. Puisque, bon, bah, ça s'ouvre au grand public, hein, forcément. Et la loi de l'offre et de la demande, enfin bref. Et Thomann, la boutique Thomann. Ne cherchez plus ailleurs. Si vous voulez acheter un casque, Thomann. T-H-O-M-A-N-N. Motus, bordel, putain. Et donc maintenant, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons le lendemain, puisque demain, je vais être livré de mon casque. Donc, je vous en ferai le déballage et la présentation rapide. Merci. Bonne soirée. Bisous, bisous. Et là, je reviens. C'est lamentable. Mais on met pas... C'est nos tendances qu'elle dit. D'ailleurs aussi, je viens de me rappeler d'un truc, je dois toujours vous faire les vidéos de retour sur ce machin, sur ce chargeur que j'ai testé. C'est lamentable. J'ai plein de trucs à faire en même temps, mais je... Laissez-moi faire, putain. Foutez-moi la paix, bordel. À demain. Ah, voilà, alors, j'avais envie de démonter ma roue de bagnole pour regarder les plaquettes de frein, mais j'ai plus envie. Voilà, j'ai littéralement plus envie du tout. Le casque vient d'arriver, donc voici la boîte. La boîte que vous voyez juste ici. Boîte toute simple, il y a juste quelques visuels du casque. Et puis quelques bricoles dedans que je vais vous montrer après. Donc K92, Closed Back Headphones, ça veut dire que le casque a une conception fermée, bien entendu. Donc les gens qui sont à côté de vous n'entendent rien du casque normalement, en théorie, parce qu'on a fait le test il y a 2 minutes, c'est des haut-parleurs en fait. On n'entend pas l'extérieur non plus, donc il y a une isolation phonique. La boîte me fait penser un peu à une boîte de Bose, avec ses touches de bleu comme ça. Ça me fait penser à une boîte de Bose. Et c'est assez marrant. Donc dessus, qu'est-ce qu'on a? On a derrière les petites caractéristiques techniques, bien entendu. Donc réponse en fréquence, c'est l'essentiel hein, que je vous dis. De 16 Hz à 22 000 Hz. Donc ça aussi, prenez pas des casques qui répondent jusqu'à 300 000 Hz, 400 000 Hz. Puisque de toute façon, l'oreille humaine ne peut pas entendre au-delà de 20 000 Hz. Si vous prenez un casque qui théoriquement peut répondre jusqu'à, je sais pas, 50 000 Hz par exemple, c'est bien, il peut le faire, mais nous on l'entend pas. Donc ça sert à rien, voilà. Donc 16 à 22 000 Hz
Donc c'est bien. On a une impédance de 32 ohms, il fait 200 grammes. Super, on s'en fout. Le cap fait 3 mètres, alors c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai envie de partir en voyage et que mon iPhone reste ici, je peux, littéralement. Le câble est réellement très long, c'est trop long, 3 mètres, c'est juste trop long. Mais bon, c'est un casque de studio après. Et au niveau des connexions, on a une prise jack 3.5 et une prise jack 6.3. Donc pour les radios, vous savez, les gros jacks à la con qui rentrent jamais dans les PC. Mais l'intérieur de la boîte, on n'a pas grand chose, si ce n'est beaucoup de plastique et de carton. On a un guide de garantie qui est fourni avec. Et on a bien entendu cette petite chose que je vais vous montrer, que c'est magnifique. C'est le fameux adaptateur jack. Pardon, je filme n'importe quoi. Ce petit adaptateur jack. Jack, il s'appelle Jack. 6,3 mm. Est-ce qu'on peut montrer le jack normal qu'on le met dans un PC, s'il vous plaît? Merci. C'est pas possible. Regardez ça. Voilà. Très bonne soirée sur TF1. Tout de suite, Harry Potter. Il faut tout remettre dedans, c'est un scandale. Aïe. Alors, oui, il va falloir qu'on explique aussi, mesdames et messieurs de chez Thomann, pourquoi. Il va falloir simplement qu'on m'explique en fait qu'est-ce que enfin, vous avez un magazine, quelque chose, je sais pas, mais. Donc voilà, alors je sais pas si ça se voit un petit peu, mais j'ai les oreilles un peu rouges, hein, à mon avis. Donc je viens de tester le casque. Voilà, donc je l'ai écouté sur mon téléphone, je l'ai écouté sur mon PC avec des fichiers WAVE. Parce que sur mon téléphone, je peux pas avoir de fichier WAVE. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le format sans compression, sans perte de Windows. C'est le point WAVE. Et j'ai comparé donc au Philips que j'avais avant. Et franchement, on marche sur les pas du Philips. Et c'est même mieux que le Philips. C'est un poil mieux. C'est pas flagrant parce que le Philips était déjà excellent en termes de son. Mais là, clairement, on est sur quelque chose de très bon. Franchement, il a un joli son ce casque. Vraiment très joli son. Donc comme je viens de vous le dire il y a 2 secondes dans la vidéo, parce que bon bah moi c'était hier, mais dans la vidéo c'était là avant. Un bon casque ne coûte pas cher. La preuve, j'ai payé 49€ et le son est juste 10-20. Voilà. Et il y a moins cher, hein, il y a moins cher. Oh que oui, il y a sacrément moins cher. Pardon, je penche un peu là. Il y a beaucoup moins cher, je vous dis, ça démarre à 19€. Genre de casque de studio, un peu professionnel, etc. Donc bah allez-y, foncez. Thomann.de, vous cherchez ça sur Google. Ils ont une application aussi pour les smartphones. L'application Thomann, vous cherchez T-H-O-M-A-N-N, Motus. Ouais, voilà. Et puis concrètement, voilà. Je devais vous présenter le casque succinctement. Alors je vais vous le chercher tout de suite. Voilà, alors. Donc voici, il fait un peu sombre, je suis désolé, mais j'ai pas envie de mettre de la lumière exprès pour ça. Alors on va faire comme ça, ce sera très bien. Voici donc le casque, à quoi ressemble-t-il? Je commence déjà à me battre avec le fil, ça me plaît pas. Donc il a un arceau, ça doit être du métal un peu coloré comme ça dans la masse. On a ici un arceau d'ajustement libre en français, on va traduire un peu comme ça. En fait, hop, quand vous mettez votre tête dessus, ça vient appuyer comme ceci et ça maintient le casque. Et franchement c'est très efficace. Au début j'avais des doutes, mais c'est hyper efficace comme système. Donc ça marche vraiment très bien. Donc vous voyez ici c'est du plastique. Hein. La construction est généralement plastique sur ce casque. Donc ça c'est du plastique, ça c'est du plastique, ça bien sûr c'est du plastique. Sauf l'arceau ici, une espèce d'arceau qui est en métal. Voilà. Donc dessus il y a des petits machins marqués Designed and Engineered in Vienna. Donc en gros ce serait soi-disant fabriqué à Vienne. Mais bon, quand je regarde sur l'une des pièces du casque, c'est marqué Made in China. Le câble ici n'est pas détachable, mais il est fixé solidement, et ça m'intéresse. L et R, ou R et L, pour indiquer le sens du casque, tout simplement. Et puis le très long câble. Il fait 3 mètres, j'ai mesuré, il fait vraiment 3 mètres. Je suis un peu psychopathe sur les bords. Et donc on a un jack comme ceci, qui est un jack standard qu'on peut fixer sur un PC par exemple, ou sur un téléphone, et vous avez un gros jack qui se visse dessus, vous voyez il y a un pas de vis ici, vous le vissez dessus, et ce gros jack il sert à quoi? Il sert, ben, si vous avez par exemple un synthé, j'en ai un, bon tant pis là, je vais pas vous le montrer, mais bon, et avec le gros jack en 6,3 mm, ou sur des platines, sur des choses comme ça, sur des trucs un peu plus pro. Donc c'est fourni dans la boîte avec le casque. Par contre, petit point négatif quand même, vous voyez les oreillettes, les mousses ici, c'est du faux cuir, vous voyez, donc quand même bien fait.
fini, etc. Très moelleux d'ailleurs au passage. Pas à mémoire de forme, mais bien confortable. C'est con qu'il n'y ait pas eu ces mêmes petites choses, mais en velours, qui soient fournies avec. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, pour le prix, voilà. Hein. Franchement, excellent casque. C'est vraiment de la balle. Je l'ai testé, et en termes de son, il est vraiment excellent. Donc voilà, je ne serai pas plus long, hein. Je pense que j'ai pas besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. C'était Seb, je suis juste content. Voilà, enfin... C'est excellent. Je veux même plus regarder ce casque, tellement il est bon. Vous me rejoignez donc sur les réseaux sociaux @ccbofficiel, sur Facebook et Twitter, comme ceci, ça se marque. Voilà, c'est marqué en plein milieu de ma tronche. Génial. Si vous avez des questions, des choses à dire, les commentaires sont... Merde. Les commentaires sont en dessous de la vidéo. On reviendra dessus, bien entendu, plus longuement, puisque là, c'était un peu rapide. C'était Seb. Passez une bonne journée et n'oubliez pas, faites attention à votre audition, faites attention à vos oreilles. Que diable. Passez une bonne journée et à très vite. Bon, toi, le casque, je vais te bouffer tout cru, hein, voilà.